Venez, je vais vous montrer des nouveaux produits qui vont arriver ces prochaines semaines. La marque NYX Cosmetics va nous proposer une nouvelle base de teint qui s'appelle Face Frizzy, qui devrait être particulièrement intéressante durant le printemps-été, puisqu'elle est hydratante mais surtout rafraîchissante. Elle a été formulée sans silicone, en revanche on y retrouve de la niacinamide. Les visuels de la nouvelle palette Too Faced que je n'ai pas pu vous dévoiler dans ma dernière vidéo Beauty News sont enfin sortis. Il s'agit de la Italian Spritz, je vous laisse donc l'harmonie proposée à l'écran, et on peut le dire, c'est une palette hyper coloré. Ces derniers temps, et pour mon plus grand bonheur, je dois bien le dire, les sérums teintés ont le vent en poupe. Et tout d'abord chez Too Faced, la gamme Born This Way s'élargit avec la référence Healthy Glow qui possède également un SPF 230. Et chez Maybelline, donc en grande surface cette fois-ci, le 1er mai, le Skin Tint fera son apparition. Ce sérum teinté est quant à lui enrichi en vitamine C. La dernière nouveauté que je vais partager avec vous aujourd'hui, on va la retrouver au sein de la gamme Terracotta de Guerlain. C'est un nouvel highlighter qui va nous être proposé, le Terracotta Luminizer, qui sera décliné en deux teintes.